Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le cercle des experts. Aujourd'hui, nous allons discuter autour des containers sur AWS et on va faire un tour d'horizon des nouveautés. Je vous propose d'attendre encore peut-être 2-3 minutes avant de commencer. Il est 11 h pétantes à ma montre. Je vous propose d'attendre jusqu'à 11 h 02 ou 03 pour laisser les derniers retardataires se connecter et nous démarrons. Bon, eh bien, rebonjour à tous et bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, bienvenue à ce webinaire autour du Cercle des experts. Aujourd'hui, nous allons discuter des containers sur AWS et faire un tour d'horizon des nouveautés. Je me présente du coup Abbas Safwatou. Donc, je suis Solution Architect et aujourd'hui, moi, je travaille dans tout ce qui est domaine du Greenfield, donc c'est-à-dire les nouveaux clients qui décident de rejoindre AWS et de rentrer dans leur voyage vers le cloud. Et je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Alamand et d'Antoine Bénétruy. Seb, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Sébastien Lamand, moi je suis solution architecte spécialiste dans les technologies des containers et donc mon rôle est d'accompagner nos différents clients à bien utiliser ces diverses technologies et voir aussi comment les faire évoluer pour répondre au mieux à leurs besoins. Et je travaille en binôme en fait avec Antoine Binetruy sur ces sujets-là. Voilà, donc Antoine Bénétruy, qui est notre GTM spécialiste sur les containers pour AWS France. Il sera présent sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Antoine les posera pour nous et enfin pourra répondre en partie de ces questions. Et on se gardera un petit temps à la fin pour un petit Q&A si vous le souhaitez. Pour pouvoir poser vos questions en direct à Seb et moi-même. Donc, ce webinaire se fera sous la forme d'une discussion. Donc, j'aurai le bonheur de poser des questions à Seb et d'écouter religieusement ses réponses et nous aurons l'occasion de discuter, de pouvoir voir un petit peu quel est l'intérêt et l'importance des nouveautés que nous proposons donc, sur la plateforme AWS. Et du coup, Sébastien, du coup, ma première question. J'entends beaucoup parler des containers et notamment, je vois que beaucoup d'entreprises veulent adopter les containers. Mais pourquoi les entreprises sont-elles de plus en plus nombreuses à adopter cette nouvelle technologie? Eh bien, effectivement, les entreprises aujourd'hui sont dans un monde de plus en plus concurrentiel où on a vraiment besoin d'aller très vite pour délivrer des applications. Et le cycle de développement de ces applications jusqu'à leur mise en production est un élément vraiment critique de cette chaîne-là. De plus, on voit émerger beaucoup de nouvelles méthodologies. On parle de méthodologie agile, de méthodologie DevOps qui essayent justement d'apporter un petit peu plus de souplesse dans ces cycles de développement et d'avoir effectivement des pipelines de bout en bout permettant d'aller déployer les applications en production. Mais pour ça, en fait, on se rend compte que les applications historiques, qu'on appelle un peu monolithes, c'est-à-dire des grosses applications dans lesquelles on a de nombreuses équipes qui travaillent sur le même code, est difficile à faire évoluer. On avait plutôt des cycles où on travaillait pendant très longtemps pour faire une grosse version et on la mettait en production.
Là, l'idée, c'est d'essayer de découper un petit peu ces grosses applications en plein de petits services qui sont plus faciles à gérer. Et surtout, ça va être une équipe dédiée qui va être capable de gérer ces services-là et de les gérer de manière indépendante avec les autres. Du coup, on se retrouve, au lieu d'avoir une grosse application, on va se retrouver à avoir une dizaine, voire des centaines ou des milliers de petites applications qu'on va devoir gérer, qu'on va devoir mettre en production rapidement. Et la technologie des containers va vraiment nous aider dans cet usage-là. Parce que sur un container, on va être capable d'isoler complètement le logiciel ainsi que toutes les dépendances qu'il y a pour faire fonctionner effectivement un de ces microservices. Et une fois qu'on aura ces microservices-là, donc ces containers, on va pouvoir effectivement les déployer et les mettre en production. Donc déjà, le container va régler un des problèmes, puisque toutes les dépendances de l'application sont dans ce container-là, que ce container-là est portable, on va pouvoir le déplacer effectivement d'une machine du développeur jusqu'au serveur d'intégration ou la production. Et on n'aura plus ce syndrome-là où on pouvait dire, bah voilà, le développeur dit ça marche sur ma machine, puis finalement, quand on arrive dans l'environnement de production avec des librairies différentes, etc., ça ne fonctionne plus. Donc voilà, les containers règlent ces problèmes-là. Par contre, les containers vont aussi apporter d'autres problèmes. C'est effectivement, on se retrouve, au lieu d'avoir une grosse application à gérer, on se retrouve à avoir des centaines d'applications à gérer. Et gérer des containers à l'échelle, comme ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Et on va avoir besoin en fait d'outils sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour aller orchestrer, gérer ces containers en production. Très bien. Et du coup, tu parles d'outils d'orchestration. Et finalement, qu'est-ce que AWS propose pour comme service autour des conteneurs et peut-être même comme outil d'orchestration? Alors, sur la plateforme AWS, on répond à des besoins clients de tout type, à différentes échelles, viations, de maturité. C'est pourquoi on a une gamme de services pour gérer des containers assez large. Et d'ailleurs, on vient de sortir un nouveau service qui s'appelle Appreneur. Donc, ce nouveau service va permettre effectivement de masquer un peu toute la complexité pour cette phase de construction du container et de son déploiement en production. Avec Appreneur, vous avez simplement à définir un code source, si vous faites du Node.js ou du Python. Si vous travaillez dans un autre langage, vous pourrez toujours le déployer sur Appreneur. Par contre, il faudra donner et spécifier effectivement une image Docker que vous aurez construite, auquel cas Appreneur va être capable de prendre cette image Docker ou de la construire à partir de votre code Python ou Node.js, de la stocker dans notre registry qui s'appelle ECR pour Elastic Container Registry, qui est en gros notre registre dans lequel on va stocker toutes ces images Docker sur lesquelles après on va pouvoir les déployer en production. Et donc Appreneur va ensuite déployer votre application, créer automatiquement un load balancer. Le but d'Appreneur, c'est vraiment d'avoir comme cible des applications web ou des API. Et après, Appreneur va automatiquement aussi regarder les métriques CPU et mémoire de votre application et gérer le scaling dynamique. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus d'instances de votre container pour répondre aux requêtes qui vont arriver, automatiquement, AWS va scaler ça pour vous. Et si vous avez besoin de moins de ressources, eh ben, on va faire un scale-on down et vous avez simplement à paramétrer la limite CPU ou mémoire à partir de laquelle vous voulez scaler, le minimum et le maximum des containers que vous voulez déployer. Donc c'est très facile, vous n'avez pas forcément besoin avec Appreneur de connaître, de comprendre ce qui se cache derrière. Tout est masqué par AWS. Maintenant, on a des clients qui ont besoin de plus de contrôle sur ce qu'ils déploient, de plus de visibilité. Et là, on a fait deux solutions, ICS pour Elastic Container Services. Donc, c'est notre offre historique de services de containers sur AWS, donc qui est sortie depuis 2016, pardon. Et de l'autre côté, on a IKS, donc qui est basé sur Kubernetes. Donc ces deux solutions, on va dire fonctionnellement, sont à peu près identiques. Vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre. Et la différence va être plutôt l'approche. C'est-à-dire que si jamais vous avez une approche où vous voulez effectivement avoir une solution très puissante, mais plus simple et complètement intégrée par défaut avec les services AWS, vous allez plutôt vous orienter vers ICS. Et si vous voulez plutôt bénéficier de l'orchestrateur de contrôleur Kubernetes, qui est très en vogue dans la communauté open source, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez bénéficier d'IKS et de déployer vos containers directement sur cette solution-là. Je vois, donc du coup, ça veut dire que AWS propose finalement deux orchestrateurs, un qui serait développé par AWS, qui serait donc ICS, et un autre qui serait finalement un Kubernetes manager, qui serait donc IKS. Et du coup, finalement,
Moi, je peux me percevoir au niveau du marché que Kubernetes s'installe comme un standard de facto. Alors pourquoi dans ce cas-là, j'utiliserais plutôt ICS au lieu de IKS? Alors, ICS, il a une vision très personnelle de la part d'AWS sur comment est-ce que vous pouvez gérer des containers à l'échelle. Il faut savoir que ICS est massivement utilisé par AWS. ICS supporte, enfin, est derrière beaucoup de nos services internes, comme SageMaker, comme AWS Batch, comme beaucoup de services aussi sur notre site Amazon.com. Et donc, on l'utilise massivement côté AWS. Et effectivement, il est très intégré par défaut avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, on peut voir un exemple d'intégration qu'on peut avoir sur le schéma ici, c'est-à-dire que on a toute une chaîne de build qui va être faite avec code commit, code build, code deploy. Code deploy va être capable de gérer directement un déploiement en mode blue green ou mode canary, c'est-à-dire un déploiement petit à petit d'une nouvelle version de l'application. Il est capable de faire un rollback sur l'application, sur la version précédente s'il découvre qu'il y a un problème. Et automatiquement, quand on va déployer des applications, on va pouvoir créer des load balancers pour aller les targeter. On va pouvoir fonctionner sur les environnements Fargate EC2, on en parlera un petit peu plus tard. Et tout ça va être pilotable soit avec de l'infrastructure as code, CloudFormation ou du Terraform. Donc, toutes ces briques-là sont interchangeables. On peut remplacer pas mal de ces briques. Par contre, par défaut, ICS est livré clé en main avec toutes ces briques qui vont fonctionner et ce qui vous permet plus de vous concentrer effectivement sur votre code, sur votre usine à images pour construire les images, bénéficier ou pas effectivement de code pipeline ou d'utiliser GitHub avec des GitHub Actions ou choses comme ça. Vous pouvez quand même, vous avez la flexibilité en fait d'adapter ce que vous voulez. Par contre, effectivement, la version par défaut d'ICS va fonctionner et sera déjà complètement intégrée. Je vois. Et donc, Et, ICS, et voilà. oui, pardon, vas-y. Pardon. Vas-y, vas-y, je t'en Non, prie. juste pour conclure, en fait, que si vous débutez effectivement dans les containers sur AWS, ICS va être vraiment un très bon choix pour avoir une grande puissance et une très forte flexibilité pour commencer ces trains. Bah, justement, ça fait écho avec ma prochaine question, où justement, si on a fait le choix de Kubernetes et de se dire que le côté flexible que peut apporter Kubernetes, l'approche open source que peut apporter Kubernetes est intéressante. Qu'est-ce qu'un service comme EKS peut m'apporter en tant que client? Alors effectivement, IKS, c'est notre service managé Kubernetes. Et donc, IKS va déployer notre distribution de Kubernetes, qu'on appelle IKS Distro. Et donc effectivement, quand vous utilisez IKS, vous n'avez pas à vous occuper de la distribution Kubernetes. C'est IKS Distro qui est là, qui va être utilisable. AWS s'occupe du build, du maintien en cohérence, parce que Kubernetes, c'est aussi un ensemble de logiciels différents qu'il faut assembler avec des versions différentes. Donc c'est ça que représente IKS Distro et sur lesquels aussi on va rajouter pas mal de modules d'intégration, notamment avec le cloud AWS. Donc à chaque fois on teste cette partie-là. Donc vous n'avez pas à vous occuper effectivement de ce qu'on appelle le control plane. Donc le control plane c'est l'élément maître qui va orchestrer et faire fonctionner vos containers. Donc sur un IKS, on a effectivement ce control plane qui est le cœur, et après vous allez exécuter vos containers sur ce qu'on appelle le data plane, où là ce seront des instances qui seront chez vous sur laquelle vous allez pouvoir déployer. Et donc toute cette partie control plane va être gérée par IKS. Si vous avez besoin effectivement d'avoir un cluster qui va passer, je sais pas, d'une centaine de nœuds à des milliers de nœuds, donc le control plane va grossir et automatiquement en fait AWS va pouvoir mettre à disposition des instances plus grosses pour absorber la charge. Donc tout ça c'est automatique. Une grosse différence avec ICS qu'on a vu avant, c'est que sur ICS, le control plane, il est multitenant, c'est-à-dire que tous les clients partagent le même control plane, vous n'avez pas à le gérer, vous n'avez pas à le mettre à jour, tout ça c'est fait pour vous. Sur IKS, à l'inverse, dès que vous allez créer un cluster IKS, on va vous mettre à disposition un control plane dédié pour vous, pour ce cluster-là. Et ce control plane, c'est un ensemble de 5 instances EC2, donc les instances d'AWS. Et on va avoir trouvé deux instances pour l'API serveur de Kubernetes. Et trois instances pour la base de données etcd qui va donc stocker l'ensemble de l'état des différents objets de Kubernetes. Donc tout ça, c'est géré pour vous. C'est géré d'une manière sécurisée. Donc IKS va être intégré avec IAM, donc c'est l'identité et l'access management qui va définir qui a les droits de communiquer, enfin, d'accéder à un cluster, mais également aussi permettre de définir des droits IAM, donc des droits sur l'identité
pour définir, par exemple, si un service a le droit de communiquer avec un autre service AWS de type une base de données RDS ou un bucket S3 pour aller stocker des données. Donc tout ça va être contrôlé et va être natif avec EKS. Je vois, et du coup, tu parles ben, de finalement de se simplifier la vie et donc de gérer la vie du cluster en tant que tel. Mais si je m'intéresse finalement à mes containers, sur quoi vont tourner mes containers? Donc là, on va parler du data plane, c'est-à-dire où est-ce qu'on fait tourner ces containers-là. Et donc, que ce soit avec IKS ou avec ICS, on va se retrouver avec plusieurs possibilités. La possibilité qui va venir par défaut, ça va être de faire tourner effectivement ces conteneurs sur des instances EC2 qui seront dans les comptes, donc dans le VPC, dans le Virtual Private Cloud de notre client. Et directement, on va rajouter donc ces instances EC2 dans cet environnement-là. Et ces instances EC2 vont pouvoir communiquer avec le control plane de IKS, qui lui est donc dans un environnement AWS. Donc c'est des instances EC2 dédiées pour le client, mais qui sont dans un compte AWS. Et ces instances vont dialoguer avec elle. Et à l'inverse, si on est sur ICS, les mêmes instances vont dialoguer avec le control plane ICS. Donc on va se retrouver avec des instances déployées donc dans notre VPC. Et généralement, ces instances-là sont rattachées à ce qu'on appelle des auto-scaling groups, c'est-à-dire en fait, ces instances vont être liées de manière globale à un groupe, et cet auto-scaling group va être également capable de faire un pilotage, un scaling up ou down pour augmenter la taille de ces instances, enfin, augmenter le nombre de ces instances ou les diminuer en fonction des besoins. Du coup, sur ces instances EC2, vous avez quand même de la responsabilité, c'est-à-dire que vous devez installer l'OS, donc le operating system de ces instances. On va fournir, nous, des AMI, donc c'est ce qu'on appelle les As Amazon Linux Instance, donc c'est effectivement l'OS à déployer. Donc on fournit des versions optimisées pour à la fois ECS ou IKS, donc en fonction de votre choix, vous allez utiliser l'AMI ECS ou IKS optimisé. Vous pouvez également les modifier ou utiliser vos propres AMI si vous préférez. Mais du coup, vous allez devoir gérer le cycle de vie de ces AMI. Si jamais il y a des failles de sécurité dans l'OS, vous devrez effectivement patcher ou mettre à jour avec la dernière version que nous, on va fournir. Donc, il y a quand même des actions que vous aurez à faire. Et effectivement, en cas de mise à jour, par exemple, en cas de mise à jour de version de Kubernetes, il faudra également mettre à jour ces AML-là pour prendre la version compatible. Donc, effectivement, un peu de synchro à faire. Si jamais vous voulez un peu moins vous embêter avec ça, on a une option qu'on appelle serverless, auquel cas vous n'allez pas avoir d'instance EC2 à gérer, pas d'AMI à créer. Simplement, vous pouvez définir de déployer vos pods ou vos tâches, en fonction si vous faites de l'IKS ou de l'ECS, sur notre environnement AWS Fargate. Et auquel cas, en fait, on va avoir un mapping un pour un entre la tâche ou le pod que vous voulez déployer. Et automatiquement, AWS va mettre à disposition une instance EC2 qui va avoir les caractéristiques en termes de CPU et de mémoire que vous avez demandé pour votre tâche. Et donc, votre pod ou votre tâche va tourner sur cette instance-là. Cette instance-là, physiquement, elle va se trouver dans un compte AWS, mais elle sera rattachée via ce qu'on appelle une ENI, donc une Elastic Network Interface, donc une interface réseau qui va venir se rattacher dans votre VPC, et donc votre instance Fargate aura une adresse IP de votre VPC et pourra donc communiquer avec l'ensemble de vos autres services dans votre VPC. Et donc ça va être effectivement fait automatiquement. Je vois. Du coup, tu parlais tout à l'heure de version, donc tu parlais de version DMI et à un moment tu as aussi parlé de version Kubernetes. Est-ce que je dois comprendre que du coup c'est moi qui vais devoir en tant que client gérer le versionning de mon Kubernetes et du coup quelle est la dernière version supportée par EKS aujourd'hui? Alors effectivement, IKS s'appuie sur Kubernetes et Kubernetes, c'est un projet open source qui aujourd'hui a un cycle de livraison de nouvelles versions qui est assez soutenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les 3 mois, 3-4 mois, on a une nouvelle version. Ça nous fait à peu près 4 versions par an. Le projet va essayer, je pense, de diminuer et d'essayer de passer à 3 versions par an pour diminuer un petit peu l'impact de ces upgrades-là pour l'instant. Et la communauté également supporte 3 versions de Kubernetes. Côté IKS, on a décidé d'étendre un petit peu le nombre de versions pour essayer d'impacter au minimum nos clients qui utilisent déjà IKS. Et donc, on a décidé de supporter 4 versions de Kubernetes.
Aujourd'hui, sur Kubernetes, la dernière version disponible sur IKS, c'est la version 1.20 qui a été lancée en mai. Et donc, à ce jour, on supporte 5 versions, puisqu'on supporte de la 1.20 à la 1.16. On peut encore créer des clusters en 1.16. Par contre, à partir de la fin du mois de juin, on ne pourra plus créer de nouveaux clusters en 1.16. Et donc, les clusters qui existent en 1.16 vont rester en 1.16. On encourage nos clients à effectivement migrer de 1.16 vers la 1.17 pour passer sur la dernière version supportée, qui sera la 1.17 à partir de fin juin. Effectivement, on conseille à nos clients d'avoir effectivement un cycle de mise à jour assez récurrent pour ces différentes instances. Alors, les mises à jour d'un cluster IKS peuvent se faire en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la mise à jour du control plane. La deuxième étape, c'est la mise à jour du data plane. Et la troisième étape, c'est la mise à jour des add-ons. Donc, tous les logiciels qu'on va déployer dans le cluster Kubernetes et qui vont permettre de l'étendre et de le faire fonctionner avec son écosystème. Donc, pour la mise à jour du control plane, si vous faites de l'IKS, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton mettre à jour dans la console IKS ou d'appeler l'API IKS pour lui demander effectivement de déclencher la mise à jour. Et auquel cas, en fait, on va déclencher un rolling update, c'est-à-dire que le control plane va se mettre à jour tout seul dans son coin. Et c'est AWS qui est en charge cette mise à jour-là. Vous n'avez rien à faire d'autre que de cliquer sur le bouton. Mais il faut quand même cliquer sur le bouton. Et une fois que le control plane a été mis à jour, vous devez mettre à jour également le data plane, c'est-à-dire que les nœuds qui étaient, je sais pas, imaginons qu'on était en 1.16, on a cliqué sur le bouton pour passer en 1.17 sur la partie control plane. Maintenant, j'ai mes nœuds groupes qui sont en version 1.16. Et là aussi, il va falloir faire la mise à jour. Et là, on va se retrouver dans deux situations. Enfin, dans 3 situations d'ailleurs. Soit vous êtes sur Fargate, auquel cas il n'y a rien à faire. Il faut simplement redémarrer le pod et le pod va se redémarrer sur une instance Fargate compatible avec la version du control plane, donc directement sur une version 1.17. Et sinon, vous avez soit les manage node group, si tu peux changer de slide. Donc sur les manage node group, c'est AWS qui va prendre en charge la mise à jour, donc ce qu'on appelle le rolling update de la version des instances. Donc, le node group, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble d'instances EC2 qui sont rattachées à un autoscaling group. Et donc là, si on fait un manage node group, c'est IKS qui va piloter cet autoscaling group. Et quand on va décider de faire une mise à jour, automatiquement, ce qu'on va faire, c'est que dans l'autoscaling group, on va rajouter une nouvelle instance dans la version supérieure, donc dans la version 1.17, alors que les autres sont encore en 1.16, si je continue avec mon exemple. Donc, on a une nouvelle instance qui va arriver en 1.17. À ce moment-là, IKS va choisir une des instances 1.16 qui tourne et va demander à Kubernetes, en fait, c'est une commande qu'on appelle le drain. Donc, on va faire un Kubernetes drain. Et on va demander à déplacer l'ensemble des pods, des services qui sont sur cette instance-là pour aller sur les autres instances disponibles. Et probablement qu'ils iront sur la nouvelle instance parce qu'elle est vierge et qu'il n'y a personne qui tourne dessus. Une fois que l'instance 1.16 elle a été vidée, IKS va la supprimer de l'autoscaling group et puis il va recommencer l'opération, c'est-à-dire rajouter une nouvelle 1.17, revider une 1.16, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait la mise à jour de l'ensemble des nœuds de notre node group. Et donc la troisième possibilité, c'est si vous n'utilisez pas les manage node group, vous êtes en ce qu'on appelle en self-manage node group. Donc là, c'est vous qui pilotez directement l'autoscaling. Et donc là, vous pouvez effectivement vous-même faire les opérations de drain et de rajout de nouvelles machines, ou vous pouvez aussi faire une opération qu'on pourrait comparer à du blue-green, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un nouveau node group en version 1.17 et ensuite de mettre un taint sur la version 1.16 pour lui dire de plus mettre de workload dessus et à ce moment-là laisser Kubernetes faire le déplacement des instances des workloads de la 1.16 vers la 1.17. Et une fois que c'est fait, vous pouvez effectivement supprimer la 1.16. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve assez, c'est ces déploiements en blue-green. Donc là, j'en ai parlé effectivement pour cette partie Kubernetes, mais on peut aussi avoir d'autres outils complémentaires qui peuvent nous aider ça. Donc tout à l'heure, sur ICS, j'ai parlé qu'on pouvait faire ça avec CodeDeploy. Quand on va déployer une nouvelle version de notre application, CodeDeploy peut automatiquement faire du canary ou du blue-green, c'est-à-dire mettre en parallèle les deux versions et déplacer finalement le workload entrant, donc les flux de requêtes des clients qui arrivent de la première vers la nouvelle version. Et on a également un service Mesh qui s'appelle AppMesh qui peut effectivement aider à faire ce genre de choses, puisqu'il va pouvoir déplacer effectivement un workload de l'un vers l'autre beaucoup plus facilement sur ce pattern de blueprint.
Du coup, tu parles d'App Mesh, ça a l'air assez intéressant. Est-ce que tu pourras nous en dire un peu plus? Évidemment. Donc, App Mesh, le gros avantage d'App Mesh, c'est que c'est un service managé AWS qui est donc à l'extérieur d'un cluster IKS ou à l'extérieur d'un cluster ICS. Et il va être compatible en fait avec les deux. Donc, un service mesh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais les plus connus sont Istio ou Linkerd. Ce sont des services qui ont un control plane, donc dans lesquels on va configurer en fait un état de ce qu'on veut, et un data plane. Et donc, le data plane, un peu la même manière qu'on a vu sur IKS et CSS, on a le control plane d'un côté, le data plane. Et en fait, le data plane d'un service mesh va définir en fait comment est-ce que les applications ont le droit de communiquer entre elles. Imaginons qu'on a plein de petits services. L'idée du service mesh, c'est d'aller injecter un proxy dans chacune des applications. Donc, si on prend le schéma à l'écran, ça va être la partie en orange qu'on retrouve sur la droite du A ou sur la gauche du B. Donc, c'est un proxy. App Mesh utilise Envoy, Istio également. Donc, c'est un proxy Envoy qui est vraiment un proxy validé par la communauté, qui est très très fiable. Donc, c'est un code, on sait qu'il fonctionne très bien. Et donc, on va injecter ces proxys-là de chaque côté. Enfin, c'est App Mesh qui va les injecter et qui va les configurer. Et donc, il va permettre de dire, bah, effectivement, le service A pourra dialoguer avec le service B en passant effectivement par ces proxys-là. Et si jamais je fais une nouvelle version B' de mon service, à ce moment-là, je pourrais dire à App Mesh, bah, voilà, je demande d'envoyer 95% du trafic sur le B et 5% sur le B'. Donc, c'est ce qu'on va faire un déploiement canari. Et puis, petit à petit, effectivement, on va pouvoir les déplacer jusqu'à ce qu'on ait par exemple 100% du trafic qui a été déplacé sur B'. Et donc tout ça est fait sans toucher à l'application, uniquement en allant demander à App Mesh de reconfigurer à la volée dynamiquement ses proxys. Donc ça c'est vraiment très 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 très, très important parce que ça permet effectivement de décorréler en fait l'application, le code de l'application et comment est-ce qu'il fonctionne avec les autres. Et on va voir plein de fonctionnalités assez intéressantes avec ces services mesh et avec notamment App Mesh. Par exemple, on peut faire du circuit breaking, c'est-à-dire que si le service B répond plus pendant un certain temps, le proxy va décider de ne plus appeler service B, ce qui peut permettre aussi à service B de recommander. On peut avoir effectivement de l'authentification mutuelle au niveau TLS, donc de l'encryption qui va être gérée par les proxys. Donc même si l'application A et B ne savent pas gérer l'encryption, effectivement le proxy va s'en occuper, va faire l'authentification. Et également quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir de l'observabilité centrale au niveau de tous ces proxys. Et vu qu'on sait que c'est un code qui fonctionne. Par exemple, si depuis le service A, j'appelle le service B et que le service B ne répond pas, bah, si j'ai un log de requête reçue au niveau du proxy du service B, bah, je sais qu'au moins, ce n'est pas un problème réseau entre les deux, mais c'est plutôt un problème sur mon applicatif service B. Donc voilà, ça permet d'avoir une très bonne visibilité sur ces services, sur ces architectures microservices qui peuvent être de plus en plus compliquées. Je vois. Donc effectivement, là, on voit l'intérêt du cloud et d'utiliser un service manager, c'est finalement de se simplifier la vie, que cela soit tant par l'utilisation d'un service manager comme EKS ou ECS, mais aussi dans la communication entre les microservices autour de ce qui peut être fait avec App Mesh, tel que tu viens de nous le présenter, en plus en l'externalisant par rapport au cluster. Mais du coup, en tant que client, il y a d'autres avantages du cloud dont j'aimerais profiter, et notamment le côté dynamique. On dit souvent que le cloud est virtuellement illimité et que l'on a une scalabilité virtuellement infinie. Comment je peux en profiter dans le cadre de cette scalabilité automatique lorsque j'utilise des containers sur AWS? Effectivement, en tant que responsable d'une application, on veut s'assurer effectivement que notre application sera capable d'absorber l'ensemble du trafic qui va arriver dessus. On connaît forcément ces problématiques qu'on avait quand on a des data centers qui sont limités et qui sont partagés avec d'autres. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'avoir ce qu'on appelait un capacity planning, c'est d'essayer de définir la capacité de mon data center. Et pour ça, on est obligé de prendre aussi les pics. Je ne sais pas si j'ai une application vidéo avec un pic de charge qui arrive le soir au niveau de vers 20 h. J'ai besoin finalement d'avoir mon data center qui soit prêt et qui puisse absorber ce pic de charge en permanence. Et du coup, ça coûte cher. Et un des objectifs du cloud, ça va être de dire, si le soir à 20 h, j'ai besoin de 100 machines, automatiquement, en fait, je dois être capable d'augmenter ma capacité pour répondre à mon trafic. Si je dois passer à 100 machines, je peux grossir jusqu'à 100 machines. Mais après, si à partir de 23 h, j'ai plus trop de trafic jusqu'au matin 9 h,
bah peut-être que là, j'ai besoin peut-être que de juste une ou deux machines pour faire tourner mon application. Donc, c'est vraiment cette élasticité-là qu'on va vouloir retrouver. Et l'utilisation des containers et des services managés de containers va vraiment apporter cette solution-là sur un plateau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement scaler à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de définir ce qu'on appelle un auto-scaling. Et donc, cet auto-scaling va devoir prendre des métriques pour fonctionner. Donc, on va définir quelle métrique utiliser. Donc, par défaut, ces services d'orchestration de containers exportent un certain nombre de métriques sur l'ensemble de containers qui sont déployés. Donc, on va pouvoir récupérer effectivement l'usage CPU des containers, la mémoire, plein d'autres métriques. Et à ce moment-là, effectivement, on va définir, par exemple, un cas simple, si jamais mon application utilise plus de 70% CPU, à ce moment-là, je rajoute d'autres instances de mon application. Donc, si on part d'un point de vue container, ou plutôt tâche ou pod, si on est effectivement dans ICS ou dans IKS, on va dire, voilà, si mon pod utilise plus de 70% de CPU, eh ben, j'augmente d'un certain nombre de pods pour que la charge CPU de l'ensemble des pods va diminuer. Vu que tous ces pods sont derrière des load balancers, automatiquement, la charge va être équilibrée sur ces instances. Donc, si j'en mets plus, automatiquement, ma métrique, elle va descendre. Et donc, le principe d'avoir une métrique pour faire de l'autoscaling, il faut justement que cette métrique baisse quand j'augmente le nombre. Et si je diminue le nombre, il faut que la métrique augmente, ce qui permet effectivement de faire également le scale-down. Si jamais d'un coup, j'ai ma métrique qui passe à 20% CPU, et si j'ai décidé effectivement de scaler, de diminuer mon infrastructure, si jamais ça passait en dessous de 30% ou de 70%, à ce moment-là, je vais réduire la taille de mes containers et donc réduire aussi l'utilisation soit de mes instances Fargate, soit de mes instances EC2 qui font tourner mes containers. Et vu que c'est soit l'instance Fargate que je paye, soit les instances EC2, effectivement, ça permet de réduire les coûts sur la gestion de mon infrastructure. Il y a un deuxième niveau de scaling, c'est effectivement si on fait de l'EC2, donc sur Fargate, on s'en occupe pas. Sur Fargate, on ne gère pas l'infrastructure, on s'occupe simplement de gérer les tâches ou les pods et de les faire scaler. Donc, si on fait du Fargate, on s'arrête là. Si on fait de l'EC2, on a besoin effectivement de définir le scaling qui va être fait par-dessous. Et donc, on va avoir besoin, si effectivement il n'y a plus de place sur mes instances EC2, on va devoir en rajouter pour pouvoir redéployer mes containers sur les instances disponibles. Donc, on a un mécanisme d'auto-scaling intégré à notre service ICS. Et auquel cas, si j'ai besoin de rajouter, on va calculer la taille CPU mémoire des containers que je dois placer sur les nouvelles instances. Et auquel cas, automatiquement, s'il n'y a plus de place, il va les rajouter dans notre auto-scaling group les instances nécessaires. Toujours en respectant le minimum et le maximum configuré dans les auto-scaling group. Donc, il faut faire attention à avoir des valeurs cohérentes par rapport à ce que vous attendez en usage en production. Si vous faites de l'IKS, du Kubernetes, vous allez pouvoir utiliser un outil qui est livré, enfin qui est open source, fait par la communauté Kubernetes, qui s'appelle Cluster Autoscaler. Et ce Cluster Autoscaler va être capable, à partir de ces pods qui ne peuvent pas être placés parce qu'il n'y a plus de place, d'aller discuter avec un ou plusieurs de notre groupe, justement pour augmenter leur taille. Rapidement, on a également un autre projet qui s'appelle Carpenter, qu'on a mis en open source en début d'année, qui va permettre effectivement de piloter aussi cet auto-scaling d'infrastructure. La différence, c'est que Carpenter ne va pas utiliser un auto-scaling group, il va aller piloter directement l'API EC2. Et si jamais j'ai un besoin énorme pour déployer des nouveaux pods, il va être capable de mettre des machines très grosses. En fait, il s'en fiche, contrairement à Cluster Autoscaler qui a besoin de connaître et de toujours utiliser des tailles de machines de même taille dans chacun de ses node groupes. Carpenter, lui, va être capable de mettre soit une petite instance parce qu'on a un tout petit pod à mettre, soit une énorme parce qu'on a des gros pods à mettre ou qui sont très nombreux et parce qu'auquel cas, on va mettre moins de machines et donc scaler plus rapidement. Donc, il y a ces deux projets-là qui sont possibles sur IKS. Je vois, Et bah, donc, effectivement, pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. juste pour terminer là-dessus, donc là, j'ai parlé effectivement des métriques CPU mémoire. On peut également s'adapter à d'autres types de métriques et si jamais CPU mémoire, ça ne correspond pas à votre usage d'application. Vous pouvez aussi exporter vos propres métriques au format Prometheus, qui est un format de la communauté qui est très utilisé. Donc, vous pouvez facilement créer ces propres métriques-là, les exposer, et après, ces métriques-là pourront être utilisées par ces services d'autoscaling pour gérer dynamiquement la capacité de votre infrastructure. Bah, du coup, ça fait assez écho en fait à ma prochaine question où justement
On voit qu'on peut faire grandir et diminuer un cluster, que ce soit du point de vue des containers ou on va dire du service ou du point de vue de l'infrastructure sous-jacente. Mais finalement, quels sont pour moi les moyens de superviser mon cluster et mes containers? Effectivement, on vient de voir que les métriques sont très importantes pour le cycle des applications. Déjà, pour avoir une visibilité sur ce qui se passe dans le cluster. Comme je l'ai dit, on peut également les utiliser pour déclencher des opérations sur votre infrastructure de scaling. Et donc, par contre, il faut effectivement collecter l'ensemble de ces métriques-là. Donc, par défaut, sur nos clusters ICS ou IKS, on a des solutions de collecte. Donc, on va pouvoir s'appuyer, par exemple, sur CloudWatch, qui est notre service central un petit peu de stockage de logs, de métriques. Et donc, on peut définir et utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Container Insight, qui va en fait déployer un agent sur l'ensemble des instances EC2 ou qui sera automatiquement fait sur Fargate pour collecter toutes ces données et les envoyer de manière centrale dans CloudWatch. Et c'est à partir de CloudWatch qu'on va pouvoir aussi créer des dashboards pour visualiser ces différentes metrics, les corréler entre elles et également potentiellement définir des alarmes ou des seuils et déclencher d'autres actions à partir de là, comme par exemple effectivement ces opérations de scaling. On peut également récupérer des métriques au format Prometheus et les envoyer dans CloudWatch, ce qui permet effectivement de faire le scaling basé sur vos propres métriques si vous en avez besoin. Après, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la communauté autour de Kubernetes et de la CNCF propose aussi des outils très puissants, qui sont notamment effectivement le serveur Prometheus et le service Grafana. Donc Prometheus, c'est une solution de monitoring et d'alerting qui est très populaire et très utilisée, sur laquelle effectivement, en fait, le principe de Prometheus, c'est il va aller s'abonner à des collecteurs de données et tout le temps, en fait, il va les interroger pour récupérer les données. Donc généralement, chacune des API expose ce qu'on appelle un slash metrics. Et donc Prometheus appelle ce slash metrics-là, récupère les métriques et les stocke. Et il fait ça en permanence, donc on peut définir quand est-ce qu'il les récupère, donc c'est ce qu'on appelle le scrapping. Donc Prometheus s'occupe de faire ça. Par contre, du coup, ces données-là sont très sensibles, parce que c'est toutes les métriques que vous avez centralisées. Et une des difficultés avec Prometheus, effectivement, d'avoir ces données-là de manière hautement disponible et de manière résiliente. Les déploiements par défaut, c'est effectivement de déployer dans un pod, dans un cluster. Mais après, voilà, qu'est-ce que je fais de mes données? Si mon Prometheus plante, où sont mes données, etc. Et puis, on ne peut pas les mettre sur plusieurs zones de disponibilité. Si je perds une zone de disponibilité avec mes données dessus, du coup, j'ai plus accès à mes data. Et donc, je perds toute la visibilité sur mon cluster si j'utilise ça. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, on a mis à disposition un nouveau service qu'on appelle AMP, donc le Amazon Managed Prometheus, où c'est simplement en fait la donnée Prometheus qu'on va stocker de manière hautement disponible sur plusieurs zones de disponibilité, de manière sécurisée et sur lesquelles vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Donc, ce Managed Prometheus va vous permettre effectivement de collecter l'ensemble des données et de les stocker et d'y avoir toujours accès. Vous êtes sûr effectivement qu'il n'y aura pas de problème avec ces données-là. Derrière, Grafana, c'est un outil pour visualiser, pour requêter effectivement. Il est très fort pour requêter tout type de données, mais il est très fort pour requêter aussi des données Prometheus et de faire des jolis graphes à partir de ces données-là. Et il existe aussi plein de graphes open source pour monitorer des clusters Kubernetes ou ce genre de choses que vous pouvez réutiliser tel quel, les appliquer dans votre cluster et directement avoir plein de dashboards prêts à l'emploi que vous pouvez après modifier selon vos besoins. Il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà prêtes. Et à partir de ce Prometheus, effectivement, vous avez cette vue d'ensemble. La difficulté avec Prometheus, c'est effectivement de définir qui a accès à quoi quand il va se connecter sur Prometheus en fonction des données. On ne veut pas forcément que tout le monde ait accès à tous les types de données. Et c'est pour ça qu'on a aussi sorti le service Managed Service for Grafana, qu'on appelle AMG, dans lequel, en fait, on va l'intégrer à notre SSO AWS, donc AWS SSO, qui va permettre effectivement de définir qui a accès effectivement aux différents Grafana et après donner des droits spécifiques basés sur ce SSO-là pour définir qui a accès à quoi. Et donc effectivement le lien entre AMP et AMG fonctionne très bien. Je vois, donc effectivement,
Bah, du coup, je suis content de voir qu'on offre une variété de services assez différentes pour superviser, que ce soit des choses développées par AWS comme CloudWatch ou la possibilité d'avoir de manière hautement résiliente des solutions open source comme Prometheus ou Grafana. Mais du coup, dans toujours ce même contexte de l'observabilité, finalement, par rapport au log, qu'est-ce qu'AWS propose pour nous aider à manager et à gérer nos logs? Alors sur la partie des logs, de la même manière qu'on a exporté les metrics dans CloudWatch, on va pouvoir effectivement déployer un collecteur de logs sur l'ensemble des instances et transférer tous ces logs-là dans Amazon CloudWatch. Donc on a un outil open source qui a été optimisé pour les containers qui s'appelle FluentBit. Donc on peut s'appuyer effectivement sur cet outil-là. Et que ce soit sur ICS ou sur IKS, sur ICS, on a packagé en fait le déploiement de ce FluentBit dans une solution de collecte automatisée qu'on appelle FireLens. Donc si vous l'activez, bah, automatiquement la collecte de ces logs sera récupérée. Et après, l'avantage effectivement du FluentBit, c'est qu'il est capable bah, de renvoyer les logs sur plusieurs destinations ou en tout cas sur les destinations de votre choix. Donc on peut directement les envoyer sur Amazon CloudWatch ou sur un Amazon Elasticsearch ou sur d'autres solutions qui sont disponibles en fonction de vos besoins. Vous pouvez les envoyer sur du Kinesis qui a ensuite les stocker dans S3 si après vous voulez analyser ces données-là avec d'autres outils comme Athena par exemple. Et sur IKS, donc on a un chart Helm qu'on a mis à l'écran ici, donc sur notre repository IKS officiel. Et donc, vous pouvez déployer le AWS for FluentBit. Donc, ça va déployer un daemon set qui va installer FluentBit sur l'ensemble de ces instances-là pour collecter les logs et les envoyer, pareil, vers la destination de votre choix. Et si vous faites du Fargate, automatiquement, on déploie, vu qu'on ne peut pas déployer de daemon set sur Fargate, puisque une instance Fargate correspond à une tâche ou un pod. Donc, on ne peut pas rajouter un deuxième pod dedans, sinon ça casse le concept. Mais par contre, automatiquement, si vous avez configuré, par exemple, dans IKS, un config map, donc un fichier de configuration qui va définir la configuration que vous voulez pour FluentBit, automatiquement, on peut déployer ce qu'on appelle un hidecar, donc un container caché sur l'instance Fargate pour gérer cette collecte de logs et les envoyer effectivement vers la destination de votre choix. Je vois. Sébastien, Également, oui. J'en profite juste pour dire que il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat et rappeler donc à tout le monde que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, il y a un chat en bas à droite et que vous pouvez les poser par écrit et comme ça on pourra les adresser en direct ou à la fin lors des Q&A. Et je vous laisse continuer pour la suite. Merci Antoine. Pas de Juste précision. pour préciser que là effectivement j'ai parlé de l'export dans CloudWatch ou dans notre service Amazon Exercise, mais en fait vous pouvez les envoyer n'importe où et aussi vers des partenaires de type Sumologic, Splunk, Connecom, enfin voilà, vraiment vous pouvez maîtriser où vous envoyez vos logs applicatifs. Je vois. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est, donc on a parlé de log applicatif, on a parlé de supervision, mais en termes de déploiement d'applications, est-ce que AWS propose des choses qui peuvent nous aider sur ces aspects-là? Oui, évidemment, quand on commence à travailler avec des containers, avec de l'infrastructure as code, avec beaucoup d'équipes, si on est organisé un peu en microservices, avec des équipes qui sont responsables de chacun de leurs microservices, et que chacune de ces équipes bah, veut déployer en production, on peut commencer à avoir effectivement des contraintes, c'est-à-dire soit on laisse la liberté à tout le monde, et du coup on se retrouve avec des infrastructures bah, déployées. De plein de manières différentes, parce que chaque équipe pourra avoir son idée sur comment il faut déployer. Donc ça peut effectivement avoir cette liberté-là pour les développeurs, pour aller très vite. Hein. Comme j'en ai parlé au début, on a besoin de donner cette agilité aux développeurs pour aller vite, pour pouvoir bah, être agile dans notre business et apporter de la valeur à nos clients. Mais d'un autre côté, effectivement, souvent, on voit des entreprises où, bah, à l'inverse, pour justement garder un peu cette cohérence sur ce qui va être déployé, ils vont mettre une équipe plutôt transverse qui va s'occuper effectivement de créer ces infrastructures-là de manière cohérente, de manière un peu figée parfois. Et du coup, si les développeurs veulent déployer, bah, ils devront passer par cette équipe-là qui potentiellement peut devenir un peu un goulot d'étranglement bah, pour la définir effectivement
les environnements à déployer ou les créer, les instancier, etc. Si on commence à avoir une centaine d'équipes et qu'il y a une seule équipe centrale qui fait ça, on va avoir un problème là-dessus. Et donc, ça fait un moment qu'AWS réfléchit à ce problème-là. Comment est-ce qu'on peut y répondre? Beaucoup d'entreprises ont sorti ce qu'on appelle des plateformes as a service, des PaaS. Donc beaucoup ont dit, bah, voilà, on va déployer là-dedans. Mais effectivement, les experts bah, pouvaient dire se sentir un peu bloqués avec ces PaaS, parce que du coup, on est obligé de se conformer à ce que demande le PaaS. Et parfois, bah, les besoins des différentes équipes peuvent être un petit peu différents. Et c'est pour ça qu'on arrive avec la solution Proton, qui est complètement disponible à partir de la semaine dernière, je crois. Et donc, dans Proton, en fait, on a une approche un petit peu différente. On va effectivement avoir une équipe plateforme un petit peu centrale qui va définir des templates. Et dans ces templates, bah, il y aura toutes les bonnes pratiques pour définir, déployer l'infrastructure. Et à partir de ces templates d'environnement, ils vont créer des environnements. Donc, ça, c'est la responsabilité de cette équipe de créer ces différents environnements. Ensuite, ils vont être capables aussi de créer ce qu'on appelle des services templates. Donc, des templates qui vont, par exemple, pouvoir permettre bah, de déployer des clusters Kubernetes ou de déployer des tâches dans un cluster ICS avec du Fargate. Et également, dans ces templates de services, ils peuvent définir effectivement l'infrastructure, le pipeline CI/CD qui va être utilisé pour aller déployer les applications dans ces offres de containers et construire, bah, via des pipelines automatiques, construire le logiciel, le tester, pourquoi pas le déployer effectivement dans un environnement de développement d'abord, si c'est validé dans un environnement de staging, puis après dans un environnement de production. Donc, on peut avoir effectivement des pipelines gérés de bout en bout créés par Proton. Donc ça, c'est juste les templates. Alors l'avantage de ces templates, c'est qu'il faut qu'ils soient publics. C'est-à-dire que même les développeurs bah, peuvent aussi les visualiser, demander des modifications à la plateforme Team sur ces templates, idéalement via un pull request pour aller les mettre à jour. Et de l'autre côté, les développeurs, eux, bah, ont accès à Proton. Ils ont accès à les templates qui ont été mis en place par la plateforme Team. Ils ont accès aux environnements qui ont été créés par la plateforme Team. Et donc, ils peuvent décider, bah, je veux déployer mon application ICS sur Fargate directement sur l'environnement de production qui a été mis en place. Et auquel cas, bah, Proton va leur demander effectivement de remplir quelques paramètres pour valoriser ce template, de leur demander aussi où est le code source de l'application qu'ils veulent déployer, et automatiquement pourra construire le pipeline de déploiement, l'environnement, pour plusieurs environnements dev, staging, prod sur lesquels ils vont être déployés. Après, Proton ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que là, on a utilisé Proton. Donc les développeurs en self-service n'ont pas été bloqués puisqu'ils ont pu le déployer comme ils voulaient. L'équipe plateforme, elle a eu la maîtrise parce qu'elle sait que les équipes de développement vont utiliser leurs templates pour déployer. Par contre, ces templates, ils vont continuer à vivre. Et si jamais la plateforme Team bah, fait une nouvelle version du template d'environnement ou de différents templates de service, à n'importe quel moment, ils auront la visibilité sur quelle équipe pardon, a déployé quel template et en quelle version. Et ils pourront aussi demander de déclencher des mises à jour sans forcément aller demander aux développeurs de s'impliquer dans ce process-là pour toujours effectivement bah, garder une plateforme cohérente et à jour. Et Proton va être capable bah, de mettre à jour les différents services en mettant à jour le template soit d'environnement, soit de service qui a été déployé par-dessus. C'est vraiment un game changer pour bah, cet usage massif du cloud avec plusieurs équipes différentes. Je vois. Maintenant, imaginons que du coup, enfin, j'ai bien compris l'importance et l'intérêt des technologies autour des containers et l'utilisation des containers. Malgré tout, il peut arriver que ben, j'ai quand même malgré tout besoin et envie de continuer de faire tourner mes containers on-prem. Est-ce que AWS a quelque chose pour pouvoir m'aider à utiliser et à faire fonctionner mes containers on-prem? Alors oui, effectivement, il y a pas mal de cas où vous aurez besoin bah, de garder vos applications, soit parce que vous avez du matériel déjà présent dans vos data centers et que vous voulez simplement utiliser, soit effectivement bah, vous avez des données sensibles que vous devez garder en local dans certains pays ou dans certains data centers, ou encore des besoins d'accès en faible latence avec bah, d'autres services ou d'autres applications que vous avez on-prem et qui ne supporteraient pas, pardon, d'avoir de la latence avec un environnement cloud. Donc pour toutes ces raisons-là, effectivement, vous pouvez avoir besoin de déployer dans vos data centers. Sur le schéma d'écran, effectivement, on va voir trois zones, effectivement. Donc la première, c'est ce qu'on déploie dans les régions. Donc c'est là où vous pourrez bénéficier de la plus grande souplesse de services AWS. Et juste sur la droite, effectivement, où on va diminuer en termes de possibilités. Donc une des premières options, c'est effectivement AWS Outpost.
Donc Outpost peut être vu un petit peu. Donc c'est du matériel AWS que vous allez déployer et racker et installer chez vous. On le livre aujourd'hui sous forme de rack de 42 unités, mais prochainement on va sortir des versions 2 unités ou 1 unité, plus petites pour des besoins un peu plus faibles. Par contre, une grosse contrainte aussi, c'est que ce AWS Outpost doit être raccordé en permanence à la région AWS avec une très faible latence, donc un raccord réseau assez important qui est nécessaire. Et donc, le Outpost va être vu un peu comme une extension d'une zone de disponibilité d'une région. Auquel cas, c'est un peu comme une AZN qui sera déployée dans votre data center et sur lesquelles vous allez pouvoir déployer des services et avoir accès à des services AWS qui tournent directement dans cet Outpost et donc compatibles notamment avec ICS, avec IKS et avec des applications load balancer. C'est très bien. Par contre, ça a un coût, Outpost, et c'est un petit peu plus cher et vous vous engagez aussi sur plusieurs années, vous achetez du matériel. Si vous avez déjà du matériel, effectivement, Outpost sera pas une bonne solution, ou si vous avez des problèmes de connectivité, Outpost sera peut-être pas forcément non plus une meilleure solution. Et là, on va proposer aussi deux autres solutions, donc ICS Anywhere et IKS Anywhere, qui vont vous permettre d'utiliser nos technologies containers que vous avez l'habitude d'utiliser dans la région et de les avoir effectivement on-prem. Donc en commençant par ICS Anywhere, ICS Anywhere, ICS Anywhere va utiliser ce qu'on appelle le control plane ICS. Donc, le ICS qui est déployé dans le cloud, vous allez pouvoir utiliser le même sur ICS Anywhere. Par contre, vous allez pouvoir définir un nouveau type de déploiement. J'en ai parlé ce matin, il y avait le type de déploiement EC2, où on déploie sur des instances EC2, et un déploiement où on déploie sur Fargate. Donc là, on a créé un nouveau type qu'on appelle external, qui va permettre effectivement de déployer sur n'importe quel type de serveur. Et donc, déployer vos tâches, vos services directement sur des serveurs que vous avez dans vos data centers. La contrainte, c'est, enfin comment ça fonctionne, c'est qu'il faut installer ce qu'on appelle un agent System Manager, un agent SSM, et donc le relier à System Manager en centrale sur AWS. Donc cet agent-là va permettre effectivement d'avoir une communication sécurisée entre l'instance que vous avez déployée, donc ça peut être du bare metal, ça peut être une VM, ça peut être un Raspberry Pi, vraiment ça tourne sur n'importe où. Et donc une fois que ça c'est relié effectivement au cloud, vous allez pouvoir déployer l'agent ICS, récupérer des rôles IAM qui seront mis à disposition effectivement par le SSM Agent en fonction de la configuration qui aura été faite. Et une fois que vous avez le SSM Agent et le ICS Agent, vous pouvez déployer ces tâches-là. Et même avoir des tâches qui auront des droits, par exemple IAM, pour aller appeler une base de données spécifique dans la région AWS. C'est vraiment voilà, le contrôle sur les tâches qui fonctionnent de la même manière. Donc ça, c'est pour ICS Anywhere. Et de l'autre côté, on propose également IKS Anywhere. Donc là, c'est si vous voulez déployer une solution basée sur Kubernetes. Sur le slide suivant, s'il vous plaît, Abbas. Et donc IKS Anywhere, à la différence de ICS Anywhere, où on a vu que le control plane, c'était le control plane d'ICS, donc celui qui est dans la région. Sur IKS Anywhere, c'est totalement différent. C'est que le control plane, il est déployé avec IKS Anywhere dans votre data center. Donc, IKS Anywhere déploie le control plane et le data plane au même endroit. Ce qui fait que IKS Anywhere pourra également fonctionner en mode totalement déconnecté, avec aucun lien avec la région, puisque le control plane et le data plane sont positionnés au même endroit. Alors effectivement, il y aura plusieurs niveaux. Si vous êtes en mode totalement déconnecté, vous aurez forcément moins de features, mais vous aurez quand même votre IKS qui sera là et sur lesquels vous pouvez interagir avec les API Kubernetes classiques. Et vous pouvez également avoir une fonction, on va le raccorder dans le cloud. Et on va faire évoluer donc notre console IKS pour pouvoir piloter et avoir de la visibilité sur plusieurs clusters IKS dans le cloud, mais également d'autres clusters Kubernetes, et notamment ces clusters IKS Anywhere qui peuvent tourner chez vous. Dans la première version des IKS Anywhere, contrairement encore une fois à ICS Anywhere, où vraiment il va s'installer partout, il suffit d'avoir un OS qui supporte le SSM Agent, la première version d'IKS Anywhere se déploiera uniquement sur un environnement vSphere. Donc, c'est IKS Anywhere qui va piloter le vSphere à travers un projet qu'on appelle Cluster API, et qui va donc créer les VM à partir de là et pouvoir déployer et configurer votre cluster IKS. Dans une version 2, on proposera effectivement de pouvoir le faire sur du bare metal, mais ce qui ne sera pas le cas sur la première version qui devra arriver en Q3 de cette année, sachant que ICS Anywhere, lui, est déjà disponible. Certains de nos clients utilisent plutôt Red Hat OpenShift.
Et ils en sont contents. Est-ce que du coup nous avons possibilité pour ceux qui comptent, qui souhaiteraient continuer à l'utiliser, à le faire sur AWS? Alors la réponse est oui, effectivement. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec la solution Red Hat OpenShift, donc Red Hat OpenShift, c'est une plateforme de gestion de containers qui est développée et supportée par Red Hat. Et Red Hat OpenShift est construit par-dessus le système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux et de Kubernetes. Donc vraiment, il faut ces deux éléments pour faire OpenShift. Et il y a pas mal de fonctionnalités qui sont incluses dans Red Hat OpenShift, comme effectivement ils ont une gestion de monitoring intégrée, la gestion des mises à jour. Ils ont aussi une gestion de pipeline CI/CD pour faire le build de vos applications, des collectes de logs intégrées. Et effectivement, un système de déploiement d'opérateurs que vous pouvez rajouter directement depuis leur console, comme déployer des bases de données ou d'autres contrôleurs. Ils ont également aussi un éditeur de code intégré dans la solution. Donc, si vous voulez continuer à utiliser OpenShift, mais de bénéficier de toute la résilience et de la scalabilité du cloud AWS qu'on a vu auparavant, vous pouvez utiliser Rosa. Donc Rosa, c'est notre partenariat avec Red Hat. Avec Rosa, donc Red Hat OpenShift sur AWS, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités d'OpenShift classique de la plateforme directement depuis la console AWS. Donc Rosa est vraiment vu comme un service dans la console où vous y avez accès, comme IKS ou ICS. Vous pouvez aller sur la console Rosa et commencer à créer vos clusters. Et là, donc, c'est un service conjoint entre Red Hat et AWS, avec un support conjoint AWS et Red Hat. Et si vous avez déjà des licences Red Hat, vous pouvez les réutiliser sur Rosa. Enfin, après, vérifier effectivement avec eux, mais normalement, c'est possible. Et si tout le support, toutes les problématiques qui peuvent arriver, c'est pareil, le support est joint. Donc, vous pouvez faire un ticket directement à AWS. Si on a besoin de Red Hat derrière, ils seront inclus. Il n'y aura pas. C'est pas moi, c'est lui. Voilà, c'est vraiment on travaille ensemble pour apporter le service et les solutions aux problèmes que vous pourrez avoir sur ce service-là. L'avantage de Rosa, c'est il a vraiment la philosophie d'un service AWS, c'est-à-dire que vous créez un cluster. Si jamais vous l'utilisez pendant une journée et qu'à la fin de la journée vous l'éteignez, vous allez payer uniquement le temps où il a été utilisé. Si à la fin de la journée il est éteint, vous payez plus rien. Et donc, si voilà, vous pouvez par exemple, effectivement, en fonction de vos besoins, lancer votre cluster, l'utiliser et vous payez. Voilà, c'est le principe du cloud, vous payez vraiment à l'usage de ce service. Eh bien, merci beaucoup Sébastien et merci du coup pour toutes ces réponses à mes questions détaillées qui permettent d'avoir une bonne vision de ce qu'il peut être fait sur les containers sur AWS, que cela soit dans l'orchestration ou encore sur la possibilité d'avoir de comment dirais-je de l'observabilité, donc de la supervision. Ou d'avoir les avantages du cloud autour de l'élasticité et même la possibilité de faire continuer d'utiliser encore des containers gérés depuis AWS on-prem ou d'utiliser des solutions on-prem telles que Red Hat OpenShift sur AWS. Donc, je pense qu'on a eu un bon overview. Du coup, j'ai envie maintenant de laisser les prochaines questions aux personnes sur le chat. Donc, n'hésitez pas, on va prendre vos questions en direct à l'écrit et soit Antoine, soit même pourront les redire oralement. Je vois qu'on a une première question de Wanis qui demande si AWS Outpost pardon, implique d'avoir forcément un lien direct connect entre notre site et celui d'AWS. Alors, il faudrait regarder les requérements précis pour la connexion entre Outpost et AWS. Par contre, on a effectivement besoin d'avoir une connexion réseau très faible et voire c'est même recommandé d'avoir qu'elle soit redondée. Donc, un Direct Connect plus un VPN, ce serait plutôt une bonne chose à faire, par exemple. Très bien. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, c'est plutôt recommandé de mettre un Direct Connect, mais ce n'est pas une obligation absolue dans la mesure où vous respectez les prérequis réseau, une latence faible avec un certain débit pour pouvoir supporter correctement AWS Outpost. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat. Je regarde de mon côté si moi, il ne me restait pas une question, j'ai envie de dire, dans le chapeau.
Je regarde ce que j'ai de mon côté. Hop. Tac, tac. Puis comme ça laisse le temps aux gens de réfléchir. Alors j'ai une question assez précise pour toi. J'ai une erreur sur le nombre de téléchargements d'une image depuis un Docker Hub. Est-ce que on a une solution à proposer avec AWS? Alors effectivement, depuis quelques mois, il y a des limitations qui ont été posées sur Docker Hub sur le nombre de téléchargements qu'on peut faire par adresse IP. Et donc en fonction, si vous partagez effectivement des runners ou des systèmes de build qui sont fortement utilisés, ou si vous-même vous faites beaucoup de requêtes à AWS, vous pouvez avoir à Docker Hub, pardon, vous pouvez être limité sur le nombre de requêtes que vous pouvez faire. Et auquel cas, effectivement, on a mis à disposition donc notre registry ECR, donc qui est l'équivalent de Docker Hub. Jusqu'à présent, ECR était uniquement pour des registries privées. Et maintenant également, on peut mettre des containers publics sur notre ECR. Et on a également un site web qui permet d'aller lister l'ensemble de ces images-là, qui est le gallery.aws. Donc sur le gallery, vous pouvez lister l'ensemble des images de l'OCR public. Et donc, si vous avez des images publiques que vous utilisez sur Docker Hub et que vous avez ce problème-là, on vous recommande effectivement de copier le contenu de cette image dans un de vos repositories OCR public, ou d'utiliser peut-être un OCR public officiel, peut-être que l'image source est déjà là-bas. Auquel cas, vous pourrez l'utiliser effectivement dans vos pipelines. OCR public a également des limites, mais elles sont vraiment mises très très hautes, et si vous vous connectez avec votre compte AWS, ces limites-là sont quasiment infinies. Alors, je vois s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. A priori, je n'en vois pas d'autres pour l'instant. On se garde encore quelques minutes d'attente s'il y a des questions sur le chat ou si certaines personnes veulent revenir sur des points. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions. Est-ce que de ton côté, Antoine, tu confirmes qu'il n'y a pas d'autres questions? En effet, pas d'autres questions pour le moment. Donc, si il n'y en a pas d'ici les 2 prochaines minutes, on va pouvoir clôturer la session. Et puis, évidemment, que si vous avez à posteriori des questions, vous avez nos adresses e-mail dans la première slide, et vous pouvez toujours contacter soit votre responsable de compte AWS, soit les différentes équipes via le site web. Parfait. Bien, du coup, merci à Yanis, à Wanis, pardon, pour cette question et pour avoir suivi notre session. On attend encore une dernière petite minute et puis nous pourrons clôturer ce cercle des experts. Bon, eh bien, je ne vois pas d'autres questions sur le fil arrivé à la dernière seconde. Eh bien, merci beaucoup Seb pour avoir répondu à toutes mes questions et puis pour nous avoir permis d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce qu'il est possible de faire sur les containers et de voir les dernières nouveautés sur AWS qui sont nombreuses. Ah, eh bien, si, comme quoi, juste sur le fil, je vois. Ah oui, donc une question de Mohamed qui pourra sûrement intéresser tout le monde. Effectivement, l'enregistrement sera disponible par la suite à la demande. Donc, du coup, pour ceux qui n'auraient pas pu le voir le jour J, pourront le revoir tranquillement à la demande par la suite. Donc, merci Mohamed pour cette question. Et du coup, remercie encore Seb pour tes questions, enfin pour tes réponses, puisque c'est moi qui ai posé les questions, pour tes questions, décidément, pour tes réponses. Et merci Antoine de nous avoir aidé sur le chat. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la plateforme. Merci Merci à beaucoup. tous. Normalement, quand Oui, vous au revoir. allez quitter le webinaire, une enquête de satisfaction va s'afficher. Donc, on vous remercie également de fournir vos commentaires et votre feedback pour qu'on puisse nous aider à améliorer ces sessions dans le futur. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.